Sois béni. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit béni. Dis à ton voisin, tu es un conquérant. Ne te laisse pas gagner. Dis encore à ton voisin, ne te laisse pas vaincre. Tu es un conquérant. Je bénis le Seigneur pour la modération de ce matin qui m'introduit vraiment dans mon sous-thème. Je bénis Dieu. Merci au Seigneur. Merci, merci pour l'inspiration. Je vais vraiment tourner sur la conquête. Amen. Pouvons-nous prier pour la parole? Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple ce matin. Merci parce que ce matin, tu veux nous nourrir, tu veux nous instruire. Tu veux, Seigneur notre Dieu, nous faire passer d'une étape faible à une autre étape, une étape supérieure, une étape de gloire. Tu veux nous amener à nous multiplier, tu veux nous amener à être réellement de conquérants. Tu veux nous établir, ô Dieu, dans la victoire, dans Canaan. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je te prie, ô Dieu, que cette parole prenne chair. Je te prie que cette parole soit vie et esprit. Je te prie que nous sortons d'ici avec un autre esprit, un esprit de foi, un esprit de détermination, un esprit de conquérant. Je te prie, ô Dieu, que tu puisses me oindre pour cela, afin que ton esprit booste, ton esprit relève, ton esprit redresse, que ton esprit restaure. Nous croyons en ta présence, nous croyons à la puissance de ta parole. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer en te bénissant. Nous voulons t'acclamer. Bonjour, bonjour bien-aimés, bon dimanche à tous. Vous avez tous les salutations du pasteur qui m'a demandé des nouvelles pratiquement de tout le monde et il m'a demandé de vous saluer ce matin. On peut acclamer le Seigneur, il nous suit en ligne. Que Dieu soit béni. N'oublions pas, nous sommes dans notre mois de la conquête. Dans cette église, chaque mois, nous avons un thème. Et notre thème, notre pensée, c'est la conquête. Je voudrais, avant d'aborder mon thème de ce matin, t'exhorter à faire de ton mieux d'être là la semaine, parce que c'est la semaine et surtout le mardi que nous avons de moments d'enseignement où nous enseignons sur le thème du mois. Alléluia. Mais le dimanche passé, j'avais donné la pensée générale du thème et nous savons que notre passage de base, c'est dans Jérémie 29 au verset 6e, qui nous parle de la multiplication. Notre thème, c'est multiplier, ne diminuez pas. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Le dimanche passé, j'avais donné le contexte. Je vous avais dit que c'était dans une situation très difficile. Ce peuple était en exil, mais en exil où c'était difficile, le Seigneur a demandé à ce peuple de se multiplier à Babylone. Alors, bien-aimés,
puisque nous sommes dans ce mois de conquête et notre course va vers la progression, la multiplication, avec ce passage de base, je voudrais aujourd'hui, pendant que je serai en train de parler, que tu puisses avoir ta Bible ouverte dans le chapitre 13e et 14e de Nombre. Je vais tourner là-dessus. Et les bons lecteurs de la parole, quand on lit le chapitre 13 et le chapitre 14, nous voyons tout de suite la terre promise ou bien Canaan. Amen. C'est la conquête vers Canaan, où on nous parle de l'exploration et aussi de la conquête vers Canaan. Alors, pendant que je serai en train de prêcher, tu seras là, tu vas te rendre compte que le chapitre 13e n'est pas loin du chapitre 14e et tu verras, on parle de l'exploration et puis après on parle du rapport des 12 espions qu'on avait envoyés. Mais le mot d'ordre c'était d'entrer à Canaan. Alors ce matin, mon thème c'est « Développe un esprit différent pour te multiplier ». Alléluia. Tu n'as pas toutes les prévisions. Tu ne vois pas les choses telles que tu voulais les avoir maintenant. Tu n'es pas dans le contexte donné. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que cette parole est pour toi en dépit des obstacles. Canaan est pour toi. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, ne te laisse pas gagner. Comme Daniel et ses amis, tu peux encore avoir un mot, une place dans la cour, bien que tu sois ou quoi que tu sois à Babylone. Ainsi, voyons une histoire similaire de conquête d'une terre, mais où il y avait des obstacles. Nous allons dans Nombre 13 et 14. Alors, nous lisons Nombre 13, verset 27. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu lis, Moïse envoie 12 espions pour explorer Canaan. Il dit, Dieu nous a promis une terre. Dieu nous a promis Canaan. Alors, je vais mandater des gens qui vont explorer Canaan. Mais bien-aimé, lorsque tu ouvres ta Bible, tu te rendras compte que Dieu donne la description des tribus. Il dit, tu prendras 12 tribus. Et il cite les tribus. Il montre comment ça devait se faire. Moïse fait le choix, il dit, je prendrai 12 personnes qui vont représenter des tribus et qui vont aller explorer cette terre promise. Ils vont arriver à Canaan pour le faire. Bien-aimé, il choisit ces gens et il envoie ces gens faire le rapport. Mais pendant que j'étais en train de lire cette histoire, en même temps j'ai sursauté, je me suis dit, il y en avait 12, c'est vrai, mais dans les 12, 12 personnes, mais 12 personnes qui étaient différentes. Alléluia, je veux le dire tout de suite. Alors ces gens vont explorer Canaan, ils trouvent un pays beau, agréable. Un pays où coule le lait et le miel. Alors lorsqu'ils reviennent, ils doivent voir Moïse, ils doivent faire rapport au peuple. Et alors quand ils font rapport au peuple, au lieu d'être optimistes, au lieu d'être des hommes de foi, au lieu de donner une description qui pouvait encourager, ils donnent une description qui fait peur. Ils commencent à dire, nous avons été visiter le pays, nous avons vu les pays, mais dans ce pays, nous avons croisé des géants. Dans ce pays, nous avons croisé des gens qui sont grands, des fils d'Anak. Dans ce pays, nous avons trouvé des obstacles. Dans ce pays, certes, il y a le lait, il y a le miel. Ça a été promis, mais nous ne pouvons pas accéder. Pourquoi? Parce que devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Vous imaginez ça? Ils font le rapport, ils donnent le rapport au peuple. Ils donnent le rapport à Moïse. Et bien aimé, le peuple était déconcerté. Le peuple a commencé à crier. La Bible dit que ce peuple a crié toute la nuit. Cet peuple a commencé à pleurer. Et le peuple en pleurant dit, mais pourquoi il doit nous amener dans un pays où il y a des géants? Dans un pays où on va dévorer nos enfants? Dans un pays où nos cadavres, nous n'aurons pas où les enterrer? Seigneur, le peuple a commencé à murmurer, le peuple a commencé à pleurer, le peuple a commencé à maudire Aaron et Moïse. Oubliant que c'est Dieu qui avait donné la promesse, oubliant que Canaan était leur terre promise. Mais ils ont reçu le rapport de 10 espions. Alléluia. Et bien aimé, lorsqu'ils reçoivent cela, ils murmurent et dans la suite on verra. Mais quand je lis cette histoire, en même temps, je dis, Seigneur, je te bénis pour ta prévision.
Parce que lorsqu'on avait pris les 12 tribus, bien-aimés, dans les 12 tribus, il y avait une tribu, particulièrement la tribu de Juda, dans laquelle il y avait un Caleb, et dans une autre tribu, qui était la tribu d'Éphraïm, où il y avait Osée, qu'on appela Josué, qui faisait aussi partie de la tribu d'Éphraïm. Vous êtes avec moi? Dans les 12 tribus, on cite des noms, on cite les 10, les 10. Oh mon Dieu, quel avis de peur, quel avis de désespoir. Dans la liste, quand tu lis, bien-aimé, tu es avec moi, toujours dans Nombre 13, on cite, on s'arrête dans la tribu de Juda, il y a Caleb. On s'arrête dans la tribu d'Éphraïm, il y a Josué. Le Seigneur savait que lorsque le 10 s'est découragé, les deux devaient prendre la relève. Il y a des gens qui me comprennent. C'est pourquoi, bien-aimé, mon thème, c'est développer un esprit différent. Et cet esprit différent, pour te multiplier, c'est l'esprit qu'avaient Josué et Caleb. Amen. C'est l'esprit qu'avaient Josué et Caleb. Lorsque tu lis les conquêtes, tu vas te rendre compte que Caleb et Josué étaient au front. Caleb et Josué n'abdiguaient jamais. Caleb et Josué ne voyaient pas aux obstacles, mais ils voyaient à la grandeur et à la toute-puissance de Dieu et s'accrochaient à la promesse. Quand les autres s'attardaient sur les détails, quand les autres s'attardaient sur leur peur, Josué et Caleb s'attardaient sur la promesse, s'attardaient sur ce que Dieu pouvait faire et ils étaient déterminés à entrer et dire que ce pays est bon, ce pays est excellent. J'aimerais te dire que ce que Dieu t'a promis est bon. J'aimerais te dire que ce que Dieu t'a promis est excellent. Même si tu vois l'adversité, même si les fils d'Anak sont là, même si les géants sont là, même si les murs se dressent, j'aimerais te dire comme Josué et Caleb, le pays est bon, tu peux te multiplier même si tu es à Babylone. Il y a des gens qui me comprennent. Tu peux te multiplier même si tu es en terre étrangère. Tu peux te multiplier même si l'économie ou bien le social ou ta famille, ton environnement n'est pas adéquat. Tu peux te multiplier. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a promis, peu importe les géants qui habitent la ville, le Seigneur te donnera la victoire. Quel géant est érigé devant toi? Quel géant est érigé dans ton contexte? Quel géant est érigé devant ta promesse? Quel géant est érigé pour t'empêcher de te multiplier et de t'amener à diminuer? Quel géant est là devant Canaan? Quel géant te fait peur? Quel géant t'angoisse? Quel géant t'effraie? Quel géant te décourage? Quel géant t'amène à abdiquer? C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, Seigneur, je serai comme un coach. Je serai comme quelqu'un qui réconforte et qui dit, au-delà de l'obstacle, au-delà du géant, ils ont accédé à Canaan. Et Canaan était bon. Si les 10 ont eu peur, si les 10 ont été incrédules, mais Josué et Caleb ont et sont restés fidèles à Dieu, ils sont entrés et je peux te dire, cette promesse était réalisée. Développe un esprit différent. L'obstacle, l'impossibilité, un peuple puissant, une ville fortifiée, une ville qui dévore ses habitants. Voilà la description. Des géants, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes en exil, nous sommes à Babylone, et pourtant, Dieu, tu nous promets de nous multiplier. Bien-aimé, ce n'est pas parce que obstacle il y a qu'il n'y a pas Canaan. Généralement, oh, sur la route de Canaan, il y a toujours des géants. Ce n'est pas parce que tu vois les obstacles que Canaan n'existe pas. Mais si obstacle il y a, bien-aimé, Canaan aussi il y a. Alléluia. Alors le 10 espions montre les obstacles de l'exploration. Voici ce que moi j'appelle l'esprit populaire. S'il y a un esprit différent, bien aimé, il y aura toujours un esprit populaire. Dans nos routes, dans nos familles, dans nos rues, dans nos environnements, il y a toujours un esprit populaire. Un esprit de tout le monde, un esprit de la majorité, une lecture des faits de tout le monde. D'une manière générale, l'homme est effrayé par ce qu'il voit. D'une manière générale, lorsque tu vas quelque part et qu'il y a un obstacle, bien aimé, en principe, tu dois t'arrêter. Voilà l'esprit populaire. Et lorsque les 10, puisqu'ils étaient majoritaires, je parle de 12 moins 2, ils étaient à 10.
Donc ils ne pouvaient que convaincre. Ils étaient majoritaires. C'est populaire. Que des idées populaires aujourd'hui, que des langages populaires aujourd'hui, que des lectures des faits populaires aujourd'hui, alléluia, que des lectures des choses par rapport à nos familles populaires aujourd'hui, où certaines personnes disent la voix du peuple c'est la voix de Dieu. J'aimerais te dire que la voix du peuple ce n'est pas la voix de Dieu. Du reste, on dit que la porte qui amène vers le ciel ou au ciel, c'est une porte serrée, c'est une petite porte, mais elle amène à la vie. Mais large est la porte, mais qui amène à la perdition. Généralement, dans les choses de Dieu, c'est dans la minorité qu'il y a la voix de Dieu. C'est dans le calme qu'il y a la voix de Dieu. C'est lorsque tout le monde dit lapider, lapider, crucifier, c'est là qu'il y a le Fils de Dieu. Alléluia. C'est lorsque les gens font l'observation et disent à Nazareth, rien ne peut sortir, parce qu'à Nazareth, rien de bon ne peut sortir. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. La voix de Dieu n'est pas la voix du peuple. La voix de Dieu de voix est impopulaire. C'est que tu sens dans ton cœur, bien aimé, c'est à toi de dire, je vais avoir un esprit différent. Les faits sont là. Toute ma famille a conclu que nous, nous sommes des ratés. Tous les faits sont là, que dans ma famille, personne n'excelle. Tous les faits sont là, que dans ma famille, il y a telle ou telle interdiction. Il y a des faits. Dans le pays est à terre. On peut dire l'économie est à terre. Covid est là à nos portes. C'est vrai, il y a un esprit populaire. Il y a un langage populaire depuis un moment. Mais j'aimerais qu'il y ait des Josué et Caleb qui disent « Corona est là, le pays est un pays qui effraie. » Mais Dieu nous a dit, le pays est bon. Le pays est bon. L'environnement actuel nous fera peur. L'économie du monde nous fera peur. Les assainissements qu'il y aura dans ton travail te fera peur. Alléluia. Les diagnostics te feront peur. L'état de l'église te fera peur. Beaucoup de choses vont te faire peur. L'état de ta famille va te faire peur. Tu as frappé aux portes, ça te fait peur. Mais j'aimerais te demander de ne pas avoir une pensée populaire. J'aimerais te dire que tu n'es pas tout le monde. J'aimerais te dire que ton cas est différent. J'aimerais te dire que lorsque tu sors le matin, dis-toi, je suis dirigé, conduit par Dieu. C'est Dieu qui a ma destinée entre ses mains. Ne te mêle toujours pas à la foule. Ne te mêle toujours pas à la foule. Ne te mêle toujours pas au général. Ne te mêle pas toujours parce que tout le monde acclame. Oh, le peuple était avec les 10 espions. Mais Josué et Caleb n'ont pas suivi le mouvement de la foule. Ils sont restés sereins. Ils sont restés sereins. Que des choses qui veulent nous voler cette sérénité. Que des choses qui veulent nous laisser aller. Nous laisser aller. Et plus nous nous laissons aller, bien aimés, on ne se multiplie pas, on diminue. Plus on se laisse aller, on n'excelle pas, on ne va pas de l'avant, mais on devient monsieur tout le monde. Je ne quitterai pas cette terre en étant monsieur tout le monde. Je ne quitterai pas cette terre en étant madame tout le monde. Je veux faire des prouesses dans mon temps, dans ma génération. Mais pour y accéder, je dois avoir un esprit différent. Kotisaka Zagenavi. Ils décrivent, Josué et Caleb avaient vu la même chose. Ils donnent la description, ils disent, oh la ville est fortifiée. Josué et Caleb avaient vu la même chose. Ils disent que les fils d'Anak, ils sont puissants. Josué et Caleb avaient vu comme eux. Dans cette ville, nous sommes comme des sauterelles. Ils avaient vu, ils faisaient partie des espions. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils avaient vu. Ils ont tenu compte de ce que Dieu avait dit. Il dit, le pays est bon. Le pays est bon. C'est pourquoi on a dit, tu vas te multiplier à Babylone. Hein? C'est pourquoi on a dit, tu vas te multiplier en exil. Ça sent l'exil. Le monde sent l'exil. Le monde n'est plus propice. L'économie n'est pas propice. La vie, mais bien aimé, on a encore besoin de foi. On a encore besoin de croire en Dieu. Si tu ne veux pas, tu es populaire. Moi, je ne suis pas populaire. Des fois, le langage populaire calme, soulage. Parce que nous sommes nombreux à penser comme ça. Nous sommes nombreux à voir comme ça. Nous sommes nombreux à constater les faits. Nous sommes nombreux à ne pas voir telle ou telle chose. Mais ça ne change pas pour autant la situation. Ça ne m'amène pas pour autant
le résultat. Ça t'est déjà arrivé en classe, quand tu arrives en retard et qu'on me met tous dehors et que vous êtes nombreux, tu te sens soulagé. Mais est-ce que pour autant que tu as accès à la salle de classe? Non. Quand tu arrives en retard, tu es calmé à l'idée que « Ah, mon ami aussi était en retard. Oh, telle personne aussi était en retard. » Mais s'il y a examen, vous tous, vous n'allez pas passer l'examen. Ça change des choses pour autant. L'esprit populaire. Que Dieu nous délivre, peuple de Dieu, de l'esprit populaire. Dans ce dans quoi tu es, que Dieu t'amène à ne pas avoir une tête baissée sur ta réalité, à ne pas avoir ta tête baissée sur ta vérité, mais qu'au plus profond de ton cœur, qui est comme une promesse de Dieu qui te donne des sursauts, des promesses qui te donnent des sursauts, quand tu veux voir comme tout le monde, quand tu veux faire comme tout le monde, j'aurai de l'espoir, j'aurai de l'espoir, j'aurai des espoirs, j'aurai de l'espoir, même quand je suis coupé, je peux reverdir. Il y a des paroles comme ça qu'il faut se dire, parce que pour le moment, il y a comme un esprit populaire qui veut mettre tout le monde à terre, dit je refuse. Oh, quelqu'un a compris. Encore. 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 Et dans la conquête, j'aime bien le refus. C'est pas je refuse. Na boy. Na bimi. Na pameli. Ouais. 10-2. Tu crois qu'ils étaient gentils? Dans la suite, tu vas voir. La Bible dit que Josué et Caleb ont crié, ont engueulé le peuple. Quelle autorité! Il y a des milieux comme ça. Ou quand tu es seul, tu as besoin d'être autoritaire. Tu as besoin de montrer que réellement tu ne vois pas comme les autres. Si tu es timide, on va t'engloutir et tu vas diminuer. Quelqu'un acclame Dieu. Quelqu'un acclame Dieu. Ouh. Esprit populaire. Malheureusement, la majorité en cela. Mais bien aimé, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Dans Nombre 14:1-4. Toujours, nos Bibles sont ouvertes, c'est vrai. Murmurer contre le peuple toute la nuit. Ils ont crié, pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi Dieu nous a fait sortir du désert, de l'Égypte pour nous amener ici? Ils ont murmuré, ils ont murmuré, ils ont murmuré. Quand je lisais la Bible, j'ai dit un peuple ingrat. Dieu le sort de l'Égypte. Dieu leur dit, il y a une bonne terre pour vous. Dieu les délivre de la captivité. Dans le désert, le Seigneur nourrit ce peuple. Mais bien aimés, à la porte, qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent. Ils disent, mais il fallait qu'on meure en Égypte. Il fallait qu'on meure dans le désert. Bien aimés. Il fallait qu'on meure dans le désert. Et ils continuent. Tous ont commencé à murmurer. Tous ont commencé à murmurer. J'aimerais te dire que les murmures nous amènent à diminuer parce que ça amène la malédiction. C'est pourquoi Dieu avait frappé ce peuple. Ils ont oublié la manne. Ils ont oublié qu'ils ont passé à sec la mer Rouge. Ils ont oublié la colonne de feu. Ils ont oublié la nuée. Parce que seulement ils ont vu des fils d'Anak. Ils abdiquent et ils commencent à murmurer. Combien de fois nous murmurons? Combien de fois? Souvenons-nous toujours de ce que Dieu a fait dans le passé. Dans le passé, caractéristique de l'esprit populaire. Généralement, l'esprit populaire relève de l'incrédulité. Incrédulité. De moins en moins, les gens ont la foi. De moins en moins, les gens croient en Dieu. Parce que les gens se basent sur leur réflexion. Les gens se basent sur ce qu'ils voient. Et j'aimerais te dire que les gens deviennent incrédules. Derrière les amens, derrière les alléluia, bien-aimés, même le peuple de Dieu, il y a une catégorie des gens qui croient qu'en la spiritualité, mais ne croient pas à une autre bénédiction de Dieu. Les gens deviennent matérialistes, les gens deviennent incrédules. Pourquoi? Parce que la foi relève de croire quand ça ne va pas. La foi se démontre quand il y a l'obstacle. La foi se démontre quand il y a des fils d'Anak. La foi va se démontrer là où ça ne va pas. La foi se démontre quand il y a l'inconfort. La foi se démontre là où tu ne vois pas d'issue, tu n'as pas d'issue. La foi se démontre quand tu es à la porte de, je sais pas, de l'accomplissement et que tu ne vois rien. Alors Dieu te demande de croire que c'est possible. L'esprit populaire ne croit pas. L'esprit populaire ne croit pas. Parce que l'esprit populaire aime la facilité.
L'esprit populaire, quand ça devient difficile, ils deviennent des Thomas. Ils disent, je dois voir pour croire. Tant qu'ils n'avaient pas vu Canaan sans géant, ils n'avaient pas cru. Ils ont dit, là c'est pour la mort. Mais bien aimé, peu importe les géants, c'était l'endroit où ils devaient se multiplier. Peu importe les géants que tu vois, j'aimerais te dire et te demander de croire que c'est là. Dans notre thème, la Bible nous dit, on va se multiplier là où nous sommes. Où tu y es, c'est rocailleux, mais Dieu dit là où tu es. Où tu y es, ça fait mal, mais c'est là où tu es. Où tu y es comme Gédéon, c'est la petite famille pauvre, inconnue, mais c'est là que Dieu veut. Où tu y es, c'est là où le monde des affaires, ça ne va pas. Mais la Bible nous a dit, multipliez-vous là où tu y es. Demande à Dieu sa bénédiction dans ton environnement, dans ta famille, dans ton milieu, dans ta réalité. Ne rêve pas de te multiplier en dehors de ton milieu ambiant, c'est là. Et quand Dieu te demande de te multiplier là, il connaît l'obstacle qu'il y a, il connaît le géant qu'il y a, il connaît la difficulté que tu as, il connaît les défis que tu as. Et j'aimerais même te dire, Dieu connaît mieux que quiconque, mais il te dit, tu vas te multiplier. Les Égyptiens disent, non, Dieu a dit ça, mais on n'a pas vu ça. Ils s'attendaient à un tapis rouge. Il n'y a que des enfants qui croient que la destinée glorieuse a besoin d'un tapis rouge. Une destinée glorieuse, généralement, rencontre des obstacles. Une destinée glorieuse, ils croyaient qu'ils auront Canaan servi. Canaan, c'était une bonne terre. Canaan, c'était un territoire qui produisait. Mais dans la conquête, pour pouvoir acquérir et prendre une terre, il fallait être plus puissant, il fallait être plus fort. Alors, il devait se battre. Il devait croire que Dieu allait faire des miracles. Tu y as besoin, bien-aimé, d'ôter l'incrédulité. Sinon, je veux transpirer. Je veux prêcher multiplication, multiplication. Mais rien ne va se passer. On va te dire, ne diminue pas. On va te dire, tu vas exceller. On va te dire que le pays est bon. Mais si tu es incrédule, rien ne se passera. La Bible dit, je ferai si tu crois. Il y a quelqu'un qui me comprend. La Bible parle de Jérusalem. Aucun miracle ne s'est fait à part quelques impositions aux mains des malades. Pourquoi? Ils n'avaient pas cru en Jésus. Si tu ne crois pas en la promesse, tu ne verras rien. Tu vas saluer la promesse de loin. Tu vas mourir dans le désert. Tu vas mourir dans le désert. C'est pourquoi, bien-aimé, vois grand. C'est pourquoi, bien-aimé, crois de grandes choses. C'est pourquoi, bien-aimé, vois-toi différent. C'est pourquoi, bien-aimé, bénis ta maison. C'est pourquoi, bien-aimé, vis dans ce monde sale, dans ce monde médiocre, mais en ayant une autre pensée, la foi. La foi. La foi qui est dans nos cœurs, même quand c'est une prison. La foi qui est dans nos cœurs, même quand nous sommes dans le ventre d'une baleine. La foi qui est dans nos cœurs, même quand à l'extérieur on tire des balles. La foi qui est dans nos cœurs, même quand le volcan Irangor se fâche. La foi qui est dans nos cœurs, même quand il y a des cas de coronavirus. La foi qui est dans nos cœurs, l'environnement est sombre, le monde nous fait pleurer, le monde nous fait mal, conditions de nos vies difficiles, mais dans mon cœur, 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 je refuse d'être incrédule. Je refuse. Les gens vont me juger par rapport à ce que je suis en train de vivre. Les gens vont me juger par rapport à ce que je suis en train de subir. Mais dedans, je refuse, je refuse d'être incrédule. Je crois en Dieu comme un enfant. Le pays est bon. Le pays est bon. Moque-toi si tu veux, mais le pays est bon. Le pays est bon. Le pays est bon. À Babylone, le pays était bon. Babylone en exil, le pays était bon. Pourquoi? Parce que quand il a demandé de se multiplier, il avait déjà préparé la terre. La terre, elle était bonne. Et je peux te dire que Daniel et ses amis avaient un mot dans la cour royale. Pour prendre une décision, on consultait Daniel. Pour prendre une décision, on consultait Meshach, Shadrach, Abednego. Quand ils n'ont pas abdiqué en face, je ne sais pas, de la fournaise, le roi a cru au Dieu puissant de Meshach, Shadrach et Abednego.
esprits différents, jamais nombreux. C'est pourquoi dans la Bible, tu remarqueras, il y a toujours une foule, il y a toujours l'histoire de tout le monde, mais il y a toujours des noms particuliers. Il y a toujours des noms particuliers. Et j'aimerais te dire, dans toutes les générations, il y a des noms particuliers. J'aimerais te dire, dans toutes les familles, des fois, il y a des noms particuliers. Pas par comparaison, mais des fois, c'est aussi comment tu te vois et comment tu crois en Dieu et comment tu définis ta vie. Ce moi, ce n'est pas le moi de tout le monde. C'est moi, c'est pour les personnes arrachées. C'est moi, c'est à moi. Des gens qui voient différemment. C'est moi, ce n'est pas un moi populaire. C'est moi, ce n'est pas un moi populaire. Parce que ce n'est pas un moi des incrédules. Les hommes de foi, généralement, sont rares. Généralement sont rares et les gens ignorants de Dieu, des fois ils disent que nous sommes rêveurs. J'aimerais continuer à rêver avec Dieu, ça marche. Ça marche. Là, choisi par Moïse, mais ils n'avaient pas la foi. Envoyé par Moïse pour l'exploration, mais ils n'avaient pas la foi. Mais pourtant, ils ont reçu l'instruction de Dieu directement. Moïse dit, Dieu m'a demandé de vous dire, allez explorer ce pays promis. Mais ils oublient le pays promis. Ils donnent des détails bizarres. Josué et Caleb disent, never. Le pays est bon. Et si Dieu est favorable avec nous, il va nous le donner. C'est pourquoi la Bible dit dans Nombre 14-24, Caleb était animé d'un autre esprit. Caleb était animé d'un autre esprit. Quelqu'un acclame Dieu pour ça. Alléluia. 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 Obstacle. L'incrédulité amène la diminution. Lorsque tu deviens incrédule, bien-aimé, tu vas diminuer. Aucun miracle à Jérusalem. Les murmures font périr. Alléluia. Font périr dans le désert. Aucun, pas de foi. Pierre pouvait se noyer dans la barque parce qu'il n'avait pas de foi. Lorsque tu ne crois pas, tu ne vas pas subsister. Arrête d'amener la mort et la diminution dans ta maison par ton incrédulité. Si tu es un mari, laisse ta femme croire. Si tu es un parent, laisse ton enfant croire. Si tu es dans cette église, laisse ceux-là qui croient et continuent à croire. Si tu es dans un groupe, dans une entreprise, si tu ne crois pas, laisse au moins les autres croire en Dieu. Il faut toujours avoir des hommes de foi à côté de toi pour qu'il y ait la vie. Car le miracle se passe lorsqu'il y a la foi, pas lorsqu'il y a l'incrédulité. L'incrédulité va t'amener à diminuer parce que tu ne vas pas vivre la main de Dieu. L'incrédulité va t'amener à te noyer lorsque tu seras dans la barque et que la barque s'agite comme Pierre, tu vas te noyer. L'incrédulité va amener la mort dans le désert comme le peuple qui avait péri. Arrêtons de murmurer, arrêtons de maudire Dieu, arrêtons de lapider Moïse. Regardons à Dieu même quand c'est obscur. Et encore, c'est encore par la grâce de Dieu que nous sommes debout, hein. À l'époque, quand on était incrédule, on murmurait. Le Seigneur ouvrait la terre. Il ouvrait la terre. Pouam, tu meurs. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Pourquoi? Ils murmuraient, ils étaient incrédules. Et le Seigneur a dit, ça c'est quel genre de peuple? Le Seigneur a maudit Israël. Israël, vos cadavres seront pris. Israël, vous serez la risée de vos ennemis. Israël, pourquoi? Parce que Israël ne croyait pas. Au lieu d'exceller, Israël avait diminué. Crois-tu toujours? Crois-tu toujours? Que des choses qui nous volent la foi. Que des choses qui nous amènent à avoir un esprit populaire, mais en étant enfant de Dieu. Que des choses qui nous amènent. L'ennemi de la foi, c'est le temps. L'ennemi de la foi, c'est le temps. Plus le temps passe, au début c'est chaud. Plus le temps passe, on est fervent. À un moment donné, on dit que ce sont des rêveries. À un moment, on dit, ah, c'est bien pour les autres. À un moment donné, on dit, les pasteurs prêchent ça pour nous calmer. Ça, c'est encore un évangile social. À un moment donné, on dit, ah, le message de la prospérité, ça, c'est encore pour amadouer les gens. Mais pendant que toi, tu dis que c'est pour amadouer les gens, j'aimerais te dire que ça marche et ça réussit pour certaines personnes. Crois-tu?
esprit populaire, la peur. Les gens deviennent fatalistes. Les gens deviennent négatifs. Crois-tu encore à quelque chose dans ta famille? Crois-tu encore à la promotion dans ton travail? Ah non, au contraire, ces jours-ci, on a saigné. Au contraire, ces jours avec télétravail, ça ne peut pas marcher. Qu'il te soit fait comme tu crois. Ces jours-ci. Mais j'ai croisé des personnes, plusieurs, confinement passé, qui me disent, maman, jamais je n'ai pu avoir des marchés comme dans cette période. Ça me surprend et ça m'amène à craindre Dieu. Tout dépend. Comment, tu vois? Le pays est bon ou bien dans le pays, il y a des géants? L'environnement est bon ou bien il y a des géants? Ta famille, elle est bien ou bien il y a des limitations? Ta famille est bien ou bien il y a des liens de famille? Ta famille est bien ou bien il y a des hôtels qui ne finissent jamais? Ta vie est bien ou bien il y a quoi? Description de Canaan. Description de Canaan. Le géant, tu l'appelles comment? Description. Incrédulité, bien-aimé. C'est pourquoi je t'ai dit, peu importe dans quel gouffre tu es, peu importe dans quel noir tu es, que dans ton cœur, comme si tu étais assise là, on te mettait dans un tonneau tout sombre, dans une maison toute sombre, bien-aimé, comme une petite lueur dans ton cœur, comme une petite lueur, comme un petit feu là, qui ne peut pas s'éteindre, c'est l'espérance en Dieu. Vous êtes avec moi? Lorsque je suis allée à Goma, j'ai vu le volcan, j'ai demandé au bien-aimé, ça se passe comment quand il y a éruption volcanique et tout? Ils disent, non, pas du tout. Les magmas sont là, il y a juste comme un feu là dedans, mais en tout cas, ça n'arrive pas. C'est comme si je savais, ça n'arrive pas, mais il y a un feu. J'ai dit, oh, mais c'est seulement une montagne comme ça, le volcan. Il dit, oui, mais au fond là, il y a seulement comme un feu là, qui tourne, un feu, et puis à un moment donné, on ne sait pas comment ça se passe, après ça va s'effacer. Soit comme un volcan, on ne voit que cette montagne, mais tu as un feu. Un feu qui a la foi, un feu qui est cette lampe dans le ténèbre, un feu, même quand on te donne des descriptions bizarres, même quand on t'a assaini, même quand tu as pleuré, même quand on a ôté la trompe, même quand dans le spirituel tu es à terre, même quand dans ta vie tu es à terre, que ce feu ne meure pas. Des fois je me dis, Seigneur, c'est cette foi qui a aidé Paul et Silas dans une prison où ils ne connaissaient personne. La Bible dit que l'Éternel envoya son ange. L'Éternel envoya son ange et son ange fit quoi? Brisa les chaînes. Ça peut être une prison, mais par ta foi, l'Éternel peut envoyer son ange. Ça peut être dans une prison comme Joseph, pas dans son pays, en Égypte. C'est là que Dieu enverra un échanson qui va juste se souvenir en disant, mais j'avais laissé un jeune hébreu qui avait comme des songes là. Quand il me disait des choses, allez-y chercher. Tu sauras bien que c'était ce jour-là, le jour de ton rendez-vous pour la gloire et pour l'élévation. T'sais, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne ce matin. Différent. Où tout le monde t'oublie, où tu n'as pas d'appui, où tu n'as pas de recommandation, où tu es dans le ventre d'une baleine, et dans ce ventre-là, la baleine te vomit où? À l'endroit indiqué. Ventre d'une baleine. Personne, mais la baleine te vomit à l'endroit indiqué. Que Dieu ôte l'incrédulité. Que Dieu amène son peuple à croire à des choses bizarres. Car nous sommes dans le temps de croire aux choses bizarres, où c'est Dieu qui nous fait accéder à des portes, où c'est Dieu qui nous ouvre des portes, où c'est Dieu qui frappe pour nous, où c'est Dieu, lorsque nous le louons, le mur de Jéricho tombe, je crois. Si nous n'entrons pas à ce niveau, bien-aimé, nous serons populaires, nous serons calculateurs. Mais il faut aller au-delà de tes calculs. Il faut aller au-delà de ce que tu peux faire. Il faut donner à Dieu la place d'agir et de montrer qu'il est Dieu. Lui, quand il montre qu'il est Dieu, c'est au-delà de ta pensée, au-delà de tes calculs, au-delà de ton intelligence, au-delà des normes. Au-delà des normes.
L'esprit populaire est dans les normes. L'esprit populaire est dans la logique. L'esprit populaire est dans la logique. Certains, même comme ils entendent parler comme ça, ils disent « Ah, mais ça, c'était seulement pour eux. » Non, c'était des hommes différents. C'était des apôtres différents. C'était des personnes différentes. Si tu veux être comme tout le monde, tu auras le sort de tout le monde. Tu auras le sort de tout le monde. Alléluia. Un Dieu qui peut souffler à un roi en disant « Ouvrez seulement le livre de souvenirs. » Non, on a ouvert le livre de souvenirs parce que Mardoché se trouvait en prison. Et quand on a vu, on a dit « Oh, c'est qui cet homme-là » Et Dieu le fait. Alléluia. Ce sont des histoires comme Dieu t'envoie glaner à l'étranger, mais là où tu vas rencontrer Boaz et ton histoire va changer. C'est toujours pas parfait, ça. Vous êtes avec moi? C'est des histoires comme la personne qui a vécu avec vous en étant esclave avec vous, c'est lui qui sera destiné à pouvoir libérer un peuple comme Israël avec des signes et des prodiges puissants comme Moïse. Je crois. Un libérateur civil, un libérateur comme tout le monde, mais mandaté par Dieu. Tu ne veux pas? Non, toi tu veux. Ma vie c'est comme ça. Quand je vais faire ça et tout. Bien-aimé, j'aimerais te dire en passant, tu es limité. Tu es limité, tu ne peux pas tout maîtriser. Laisse Dieu contrôler, commander pour toi. Il y a des hommes de foi. Mais quand je dis les hommes de foi, vous savez, je dis homme, vraiment homme, pas femme. Les femmes, généralement, ont la foi comme ça, comme des enfants. Mais les hommes sont logiques. Les hommes, son argent. Il dit, je gagne 1 000 $, donc j'enlève ça, je fais ça et tout. Oh, bah, kokabelanga, oui, kokoué alikolo, jamais. Mais nous, nous allons au-delà, nous croyons au corbeau. Nous croyons acheter sans argent. Oui, est-ce qu'il y a des amens ici? Et j'aimerais te dire que dans la maison, ça aide. Continuons à croire, continuons à croire, continuons à croire, continuons à croire, continuons à croire. Et laissons les gens qui ont l'esprit populaire dans leur logique. Dans leur logique, 1 plus 1 égale 2. Dans notre logique, c'est le Dieu de multiplication. Dans la multiplication, c'est la vitesse. Dans la multiplication, c'est l'inattendu. Dans la multiplication, c'est le bras de Dieu qui agit. Fils d'Anak, c'est Dieu, c'est vrai. Mais si Dieu nous est favorable, nous allons dominer. Oh, vous êtes à deux, Josué et Caleb. Vous êtes à deux, oui, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Josué et Caleb étaient animés, animés d'un autre esprit. Sois animé de notre esprit. Sois animé de notre esprit. En ce temps de la fin, vois Dieu. En ce temps de la fin, déploie ton potentiel. En ce temps de la fin, sois un grand serviteur de Dieu. En ce temps de la fin, sois un grand homme d'affaires qui va acheter un temple pour Dieu, qui va construire des écoles bibliques pour Dieu. Tu es jeune, c'est vrai, mais tu es un vaillant héros. Tu es jeune, c'est vrai, un vaillant héros. Tu sors de la plus petite des familles, c'est vrai, mais Gédéon... Gédéon, moi Dieu, je l'ai dit, bien aimé, en préparant ces messages, j'ai dit Seigneur, suscite ça. Suscite ça. Tu es cette femme qui va booster d'autres femmes. Tu es cette femme qui va amener les autres femmes, donner l'envie de servir Dieu, de se consacrer à Dieu, de servir Jésus, de guérir les malades. Car tu es animé d'un autre esprit. Refuse l'esprit populaire. L'esprit populaire est têtu. L'esprit populaire est têtu. Têtu pourquoi? Souvent nombreux. Quand ils sont nombreux, c'est comme un poids. Plus tu restes avec eux, ils commencent à t'échanger. Puisque tu restes avec eux, c'est contagieux. L'esprit populaire, c'est contagieux. C'est pourquoi, comme en solitude, tu vas dire, « Atcha, mouni atcha. » Moutoke, mouniach, mouniach, nabimi. Internet, en français, sortons, sortons, je sors. Alléluia, alléluia, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh Dieu, 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 Dieu. Oh Dieu,
comme ces paralytiques qui étaient là, qui disaient, je n'ai personne pour me jeter. Il y a des jours comme ça où Dieu se souvient de toi. Croyons à des choses inattendues de Dieu. Attention, ne te laisse pas gagner. Attention, ne te laisse pas gagner. Attention, n'abdique pas. Attention, ne lâche pas. Si tu lâches, si tu ne poses pas des pas, tu vas diminuer. Soit on se multiplie, soit on diminue. On ne reste pas sur place. Israël ne devait pas rester à la porte de Canaan. L'adresse, ce n'était pas le désert. L'adresse, ce n'était plus l'Égypte. Ils devaient accéder. S'ils devaient rester là, ils allaient mourir. Il fallait avoir un territoire, s'asseoir dans ce territoire et bâtir un territoire fort. Sinon, tu n'as pas de territoire. Bats-toi pour accéder. Ne reste pas à la porte. Conquête. 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 On se bat. On avance. On se bat. On avance. Comme ces quatre lépreux. Il dit, si nous restons dans la ville, nous allons mourir. Mais nous allons entrer dans la ville. Nous allons entrer chez les Philistins. Peut-être que là-bas, il y aura à manger. Quand les quatre lépreux sont entrés chez les Philistins, il y avait quand même un bruit de guerre. Mais bien aimé, il faut faire ce pas. Il faut faire ce pas. Même quand tu veux guérison, il faut se battre, il faut se faufiler, il faut montrer à Dieu que tu crois. Même quand tu crois un travail, il faut que tu poses des pas, il faut que tu poses des pas, il faut que tu poses des pas. Mais il y a des gens qui ne posent même plus des pas. Pourquoi? Ils ne croient plus. Si c'est ton mari, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, bien-aimée, le matin, dis à ton ami ou à ton époux, réveille-toi, c'est pas le temps de te reposer, car ce lieu, c'est pas un lieu d'habitation. Nous n'allons pas rester sur cette montagne. Il y a une grande montagne, il y a une autre montagne que Dieu va nous donner. C'est pourquoi en passant, j'aimerais te dire, il faut trouver des femmes conquérantes, il faut trouver des maris conquérants. Parce qu'il y a des maris qui peuvent t'amener vraiment à être lazy. Lazy. Mais il y a des femmes qui vont te réveiller, qui vont te dire, trouve l'équilibre dans ta vie, dans le spirituel, dans le matériel, dans le finance. Réveille-toi parce que Dieu t'a créé avec des talents et de potentiel. Y a-t-il quelqu'un qui dit ça à son frère? C'est pourquoi quand on a dit, je suis un conquérant. Moi-même à la maison, quand je préparais, je suis un conquérant. Et je voyais l'église construite. Je me voyais, oh, en train de faire des vagues. Je me voyais en train de servir Dieu partout. Je disais, Seigneur, c'est mon appel. Je veux me multiplier. Je ne veux pas quitter cette terre remplie. Je veux quitter cette terre vide. Vide. Je veux tout donner, mais un esprit de conquérant. Et Zabatoubakot sa zagué. Toi, tu es trop bien éduqué. Des fois, mets ton éducation et tes scrupules. Il faut que tu regardes face. Tu dis problème, c'est vrai. Canon, c'est vrai. Le géant est là, c'est vrai. Mais nous allons te terrasser, car notre Dieu est puissant. Même Jésus chassait les démons avec autorité. Sors. Mais dans l'état où tu es, c'est lourd, c'est une forteresse. Tu es gentil, mais ça peut être une forteresse spirituelle. Bien aimé, ça demande la force. Il faut dire, sors, refuse. Je me réveille le matin, j'ai 40 ans, ma petite mousse, je la brûle. Comme ça, je veux voir où je veux encore dormir chez nous et attendre les foufous montagneux comme ça que je suis en train de manger. Non. Il faut pour se multiplier, il faut la force. De toute façon, la Bible dit, il faut que le grain puisse faire quoi? Mourir. La sémence doit mourir. Il y a comme une force de mort et ça fait mal. Pour faire quoi? Pour t'éclore. Accepte cette étape où, dans la conquête, tu es prêt à encaisser des coups, mais tu vas de l'avant. En passant, Oyaki Koti Kamutute Namutili. Tu n'es pas là pour dire seulement des nouvelles des autres, mais pour faire des nouvelles. Sur Facebook, tu n'es pas là seulement pour partager les nouvelles des autres, mais toi aussi tu es une nouvelle. Pas
en compétition, parce que la Bible dit en chacun, il a donné une mesure, en chacun, il a donné un talent. C'est de ça que je parle. Épanouis-toi dans ton talent, épanouis-toi dans ta grâce, épanouis-toi où tu es. C'est possible, j'entends une femme qui dit, c'est possible pour mon mari. J'entends un mari qui dit, c'est possible pour ma femme. J'entends un enfant qui dit, c'est possible pour mon père. J'entends un enfant qui dit, c'est possible pour notre maison. C'est possible. Et moi, pour l'église, je dis, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alléluia. 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 Oh Dieu, je veux croire que ce n'est pas ma beauté qui va me faire accéder près du roi. C'est Dieu. Tchac. Je veux croire en des choses comme ça. Je veux croire en des choses comme ça. Nous sommes dans un temps, dans une période comme en exil, où c'est l'inconfort, où nous devons croire au soutien de Dieu, où nous devons croire à la main de Dieu, où Dieu étend sa main et dit, où sont mes enfants qui feront de moi un coéquipier, qui fera de moi leur cheval de bataille, qui fera de moi leur force. Dieu veut ça. J'aimerais te dire, tu te bats un peu trop seul. Tu fais un peu trop les choses seul. Si ça capotait, tu vas rentrer à Dieu. Si ça capotait, tu retournes à Dieu. Pourquoi tu ne gagnes pas le temps et tu fais avec Dieu? Tu gères seul. Tu gères tellement seul que tu en as des maux de tête. Que tu en as des maux de tête. Crois-tu que c'est possible? Demande à ton voisin, crois-tu que c'est possible? Tu le demandes tellement avec timidité que j'ai l'impression que sa situation t'effraie. Ça c'est bien, ça rassure avec sourire. Regarde bien, crois-tu que c'est possible? Tu me donnes l'impression d'être ces 10 espions qui disent, crois-tu vraiment que c'est possible? Nuance, hein? Tout comme, crois-tu que c'est possible? Yeah. Mais crois-tu vraiment? Tu mets des lunettes comme ça. Crois-tu vraiment? Vraiment, c'est ce que Dieu avait vraiment, vraiment dit. Tu as vu les géants là. Tu as vu la taille. Tu as vu comment ils sont puissants. Tu as vu comment nous sommes comme des sauterelles. Ah! Ah, 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 ah. Le peuple d'Israël est terrible. Ils ont vu la mer rouge séparée en deux. Mais ils ne veulent pas croire. Et ils disent, tu as vu comment on est? Josué et Caleb disent, la Bible dit, ils déchirèrent leurs vêtements. Désolation, la Bible dit, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements. Ils disent, pourquoi vous faites ça? Et lorsqu'ils ont voulu lapider Josué et Caleb, la Bible dit que du temple d'assignation, la gloire de Dieu était descendue. Et Dieu s'était fâché. Et Dieu dit, quel genre de peuple sommes-vous? Je veux vous montrer que je suis le Tout-Puissant. Ce pays, je le donnerai et votre descendance en mangera le fruit. Et ma Bible me parle de Josué, on dit, jusqu'à sa vieillesse, son feuillage était verdoyant. Jusqu'à sa vieillesse, le Seigneur dit, il y a encore un territoire que tu dois conquérir. Ce sont des hommes comme ça qu'il faut écouter. Populaire. Pays sacrifié. Populaire. Toroku Fabison, c'est la corona. Populaire. Église autour, ça va, jeune, te ressemble. Populaire. Quand je continue. La famille, oh, bon, tout ça, la boue, baba, que ça m'y sape. Populaire. Yo, penza de. Populaire. Oh, populaire. C'est populaire, c'est beau. Ça fascine tout le monde. Mais dans mon intérieur, je suis animé dans notre esprit. Acclame Dieu. Acclame encore Dieu. Des fois, il y a des situations, c'est Dieu qui envoie son ange dans la prison. Il y a ces dieux qui commandent aux événements, qui commandent aux réalités. Bien-aimé, ôte l'incrédulité. Dis-toi intérieurement, dans ton âme, dans ton cœur, espère encore en l'Éternel.
ôte cet esprit populaire comme les 10 espions et dis, je ne serai pas effrayé. Les fils d'Anak ne vont pas m'effrayer. Je n'aurai pas peur. Car la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. La Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas touché. La Bible dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus. La Bible dit que si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te consumera pas. La Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un faible, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. La Bible dit, mon Rédempteur se lèvera et s'élèvera le dernier. La Bible dit, avec Dieu, nous franchirons des murailles. La Bible dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Je mets ça dans mon cœur et je ferme les yeux vers les Égyptiens et je regarde dans mon œil, dans mes yeux de l'esprit, comment je veux traverser cette mer rouge qui n'a jamais été traversée à sec. Et je me vois de l'autre côté, mais étant prise par la main de Dieu. Et j'imagine quand tu es de l'autre côté et tu regardes cette eau, où qui sont moi éballés, et tu te dis, je suis passé comment à sec? Alors les Égyptiens ne savaient pas, ils ont essayé de faire comme eux, mais ils ne savaient pas que la force qui a poussé ce peuple de traverser, c'était Dieu. Et ils n'avaient pas Dieu. La Bible dit que leur char, quand ils entraient dans la mer, qu'est-ce qui s'est fait? L'eau s'est refermée. Badindi bazo kamwa. Bazo kamwa bazo dinda. Mesusu pe bazo kamwa basi bakenda ki nanga mususu. Tokomi na tango ozo kamwa. Pourquoi? C'est Dieu qui le fait. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, va vers l'autre bord. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai mon filet. La Bible dit que Pierre, comme Jésus, marcha sur l'eau. C'est ça que je veux. C'est ça qui est impopulaire. C'est ça qui est l'esprit différent. La foi triomphante, alléluia! La foi triomphante, alléluia! La foi triomphante, alléluia, ce ne sont pas des slogans, c'est ce que Dieu fait. Ce ne sont pas des slogans, c'est ce que Dieu fait. Il utilise qui il veut. Il peut utiliser une Rahab, la prostituée, pour mettre à l'abri des espions. Dieu fait des choses bizarres. Continuons à faire des choses bizarres. Où ton nom était au bas de la liste, où les critères n'étaient pas ce critère-là. Dieu fouille pour toi, il fouille pour toi. Et c'est toi qu'on appelle. C'est vrai, ça s'est fait. Nous avons tellement de témoignages comme ça. C'est de ce Dieu-là que je parle. C'est de ce Dieu-là que je parle. Un Dieu qui donne le travail. Un Dieu qui donne des enfants. Un Dieu qui donne le miracle. Un Dieu qui élève. Un Dieu qui donne la prospérité. Un Dieu qui nous amène à grandir dans les choses de Dieu. À grandir dans la grâce. À grandir dans la vie. Parce que même sur la terre, il faut s'épanouir. Bénis ses enfants et dis à tes enfants, je veux que tu marches avec la faveur de Dieu, même en terre étrangère, que tu sois Esther qu'on va voir, que tu sois David, un homme choisi de Dieu, même quand il est dans le troupeau, qu'on va et qu'on choisit. Je le dis pour mes enfants. Non, je le dis pour mes enfants. Jacob vieux devait bénir les enfants de Joseph. Éphraïm et Manassé. Il prend la droite, il met sur l'aîné. La droite, il met sur l'aîné. La gauche sur le... il prend la droite, il met sur le cadet. Et la gauche sur l'aîné. Joseph dit, non, mets la droite sur l'aîné. Pas l'inverse. Il dit, je suis aveugle, c'est vrai. Mais Dieu m'a demandé de bénir comme ça. Vous ne croyez pas toujours aux choses spirituelles? Aux choses que nous pouvons décréter sur la vie des enfants? Il dit, Père, s'il te plaît, lui c'est le cadet.
Je sais, mon fils, n'insistez pas, je sais. Dieu ne m'a pas demandé de faire comme ça. Il m'a demandé. En Israël, on connaissait ce que c'était la portée de la bénédiction parce que la bénédiction marchait sur les Philistins, la bénédiction marchait en Égypte, la bénédiction marchait partout. C'est pourquoi il dit, mon fils, tu as l'odeur de la bénédiction, tu as la robe de la bénédiction, que tes fils puissent avoir la robe de la bénédiction, que ta maison puisse avoir la robe de la bénédiction. Nous sommes dans un temps où nous avons la robe, nous avons besoin de la robe de la protection par rapport à la maladie. Yozo, c'est la vaccin, problème, ils ont dit. Hey, alléluia, alléluia. Je suis un conquérant. Tu chantes ça, mais tu as faim. Tu chantes ça, mais c'est inconfortable. Tu chantes ça, on vient de t'assainir. Tu chantes ça, le bailleur veut te mettre dehors. Tu chantes ça, mais il n'y a rien. Tu chantes ça, tu dis oh, oh, oh. Là quand ça brûle, tu es dans oh, ça brûle, ça brûle. On vient, on se moque de toi comme moi là. Oh, bobo takapé, bobo takakaka. Côté, on a changé mituka. Oh, je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus. Tu chantes. Pourquoi? Cette flamme du volcan en toi, bah, n'est pas un regard défaitiste. Ne sois pas la tête comme ça. Tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Tu es venu jouer un rôle. Tu es venu accomplir quelque chose. Tu es venu faire quelque chose. Tu n'es pas venu sur la terre. Tu es venu pour t'épanouir et être un don. J'aime quand quelqu'un me croise et dit, tu es une source de bénédiction. Je dis, voici mon appel, voici mon rôle. Oh, tu nous bénis, voici, je suis de la lignée d'Abraham, car il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme, ni femme. Voilà mon don, source de bénédiction. Acclame Dieu. Hey. Acclame Dieu. Oh, oh. Oh, acclame, acclame Dieu, que cet esprit t'accompagne, que cet esprit t'accompagne, hey, que cet esprit t'accompagne. Hey, je me souviendrai quand j'étais délégué commercial, je vendais avec des professionnels en vente, mais dans mon cœur je disais, Seigneur, je suis venu vendre. Seigneur, fais-moi grâce. Envoie des clients, moi aussi je veux vendre. Et chaque mois, par la grâce de Dieu, de me donner au moins une vente. Mais si tu me demandes de conduire, tu vas te retrouver au ciel. Je ne connaissais ni pièces, je ne connaissais ni châssis, je ne connaissais rien. Mais tu arabe français. Alors, double moteur, non. Quand tu me regardes, tu dis, mais moi, Nozaka, courageuse. Mais je disais, Seigneur, je veux une vente. Je veux une vente. Toi, envoie des gens. Et Dieu conduisait des gens. Les yeux avaient juste envie d'acheter chez moi. Que les gens puissent avoir envie d'acheter chez toi. Comme ces mamans avant de vendre les beignets ou ceci. Elles bénissent leur travail. Elles bénissent. Je dis, mon Dieu, mais il y a 10 pharmacies ici. Mais il y a 10 tables ici. Mais elle dit, je bénis ma table. Pour que ma table soit prête. Les gens qui font le commerce sont ici. Ma boutique soit. Tu n'as pas ouvert une boutique pour fermer. Tu n'as pas ouvert une boutique pour ne pas avoir des clients. Tu n'es pas toute jolie là pour ne pas avoir un homme pour toi. Tu n'as pas deux bras pour ne pas travailler. Dieu dit, je dirai à la bénédiction de faire quoi? Acclame Dieu. Oh! Acclame Dieu. Ça, c'est à moi que j'aime. C'est à moi que j'aime. Ça, c'est à moi que j'aime. Ça, c'est à moi que j'aime. Oh, je veux conquérir. Je veux me battre dans le spirituel. Je veux me battre dans le physique. Je veux demander à Dieu. Je veux réclamer ma promesse. Il le fera. Il le fera. Un matin, je me réveille. Je dis, Seigneur, on n'a qu'une voiture. Quand je dois prêcher, il faut que j'aille demander à mon mari. Et lui, il doit venir ici. C'était très compliqué. J'avais des prédications et des prédications. Des prédications. J'ai dit, Seigneur, deux voitures, ce sera facile pour moi. Je dis à mon mari, je demande à Dieu une voiture. Il dit, ah, toi aussi. Tu sais qu'on n'en a pas les moyens. Une voiture pour le moment. J'ai dit, comprends-moi bien, je ne t'ai pas demandé une voiture. Regarde la lettre que j'ai écrite à Dieu. J'ai écrit cette lettre. J'ai dit, Seigneur Jésus, peux-tu, s'il te plaît, m'acheter une voiture? Bien-aimé, je suis allé prêcher quelque part. Un homme a été touché. Il m'a acheté une voiture. Il y a quelqu'un qui acclame Dieu.
Je suis rentrée, j'ai dit, Jésus, tu m'as acheté une voiture. Nzambe pasombe la rabatou moutouka. Nzambe pasombe la rabatou moutouka. Natepe krouch. Nakotipe krouch. Je suis un conquérant. L'isolo est à la licolote. Nase. L'isolo est à la licolote. Et à la se. Mon mari me regarde et dit, ah ouais, ne stresse pas. Dieu s'occupe de moi. Il dit, ma femme, j'ai peur. J'ai dit, ça c'est la foi. Et c'est après que je demande au monsieur, je dis, en fait, comment vous vous appelez? Je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas fait les présentations. Ah, oh, vous vous appelez tel, tel. Moi, je voyais Dieu. C'est comme s'il fallait me taper, me réveiller. Yozoboya makambo, nakokangisa 100, nakokangisa 200. Après ça, nakosa les konzo. Après, nakosa ta tantine. Après, tontine. Nakokota kwa... Au-delà de la prévision, de la planification, crois au miracle. Crois en la main surnaturelle de Dieu. Crois en la faveur de Dieu qui marche à Babylone, qui marche en exil. Allez, il y a des gens qui comprennent. Alléluia. Et esprit populaire, oui, mais il y a l'esprit différent de Josué et Caleb. C'est un esprit de foi. C'est un esprit de courage. C'est un esprit de détermination. C'est un esprit de persévérance. C'est un esprit fort. Ça, c'est Josué et Caleb. 12, va chez Ephraïm, tu verras un Josué. 12, va dans la tribu de Juda, tu verras un Caleb. Qui, dans Nombre 13, 30, ils disent, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Le pays est bon. C'est effectivement Canaan, il y a le lait et le miel. Mais montons, agissons. C'est pourquoi la semaine vient, on va te montrer les voies. Montons, agissons, courageux, déterminés. La foi, c'est l'action. La foi, c'est agir. La foi, c'est confronter les obstacles. C'est vers les oppositions. On est là, on est debout. Alors ils disent, montons. Bien-aimés, s'ils ont accédé à cette terre promise, c'est parce qu'ils avaient des hommes comme Josué et Caleb. Pour que nous accédions à une autre étape, dimension, dans nos familles, dans nos maisons, dans l'église, on a besoin de Josué et Caleb. Des gens même dans l'obstacle disent, montons. Les gens même dans l'obstacle disent, emparons-nous. J'aimerais prier pour une femme et dire, il faut que tu aies un mari qui est Caleb comme Josué. Il y a des hommes qui ont peur, des peureux, et qui disent, yo kende kotala. Yo mata. Té, oyo ki makele le. Yo kende ko vérifier. J'avais un homme qui dit, madame, oyo ki makele promette. Non, mana li cheti comme ça. Non, kendo papa bango. Les papas sont frustrés. Alléluia les mamans. Alléluia les mamans. Si ose te dire ça, tu dis, soit Josué et Caleb, hein. Les fils d'Anak sont là, mais montons, emparons-nous. L'obstacle est là, mais montons. L'obstacle est là, mais montons. Alléluia. Alléluia. Pour te multiplier, tu dois non seulement croire, mais être déterminé, être courageux, être brave. Pour ne pas diminuer, il faut te battre. Il ne faut pas être fataliste. Il faut refuser le statu quo. Il faut refuser la peur. Il faut entrer. Il faut conquérir. Il faut agir. Comme dans Michée 2:10, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois faire des choses comme Isaac pour Rebote. Tu vois, creuser encore. Tu as échoué hier. Mais j'aimerais te dire, s'il te plaît, relève-toi aujourd'hui. Tu as raté hier. Je t'en supplie, vas-y encore. On t'a refusé cet emploi le mois dernier, il n'y a pas de problème. Recommence encore. Il y a des gens qui sont avec moi. Ce poste, tu l'as manqué, vas-y encore. Tu as dragué cette fille, elle a refusé, drague encore. Amen. Heureusement que tu t'es caché, sinon tu es suspect. Alléluia. Vas-y encore. Fais encore.
Alors il dit, la description elle est grande, c'est vrai qu'il y a l'obstacle, mais emparons-nous, parce que dans ce pays, il coule le lait et le miel. Nous allons rater le lait et le miel à cause des fils d'Anak. S'ils sont puissants, mais si Dieu nous est favorable, il va nous le donner. Et Dieu nous est favorable parce qu'il nous a donné la promesse. Il t'a donné la promesse. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, que Dieu te sorte de l'esprit populaire. Vois comme ça, fais comme ça. Quelqu'un qui est avec moi, emparons-nous du pays. Bats-toi, bats-toi. La foule ne veut pas que tu aies ta guérison. Bats-toi, bats-toi. Le diagnostic n'est pas bon. Bats-toi, bats-toi. C'est raté l'année, il n'y a pas de problème. Bats-toi. Le deal n'a pas marché, bats-toi. Tu es la risée de tes ennemis, il n'y a pas de problème. Relève-toi. Ne demande pas de périr avec tes ennemis. Non, ne demande pas ça. Bats-toi, bats-toi, relève-toi. Tu es Pierre, ça n'a pas marché. Bats-toi, bats-toi. Conquête, c'est se battre. Dans la conquête, il faut accéder à des territoires. Tu reçois de coups, mais tu te relèves. Tu reçois de coups et tu te relèves. Tu vois des obstacles, tu te relèves. C'est ça la conquête. C'est ça se multiplier. Tu cherches à te multiplier. On écrase la semence. Ah, on met encore de l'eau. La plante réverdit. La plante réverbère. On essaie de couper. Ouh, on t'a coupé jusque-là. Tu es désespéré jusque-là. Ce matin, j'ai dit, Seigneur, je veux pomper la foi. Je veux pomper l'espoir. Seigneur, toi-même, donne-moi. J'ai comme l'impression que je suis envahi de la foi. Et quiconque va m'écouter ce matin avec la foi aura une dose. Une dose qui sera suffisante parce que, comme une graine, cette foi peut produire. Tu n'as pas besoin forcément d'une grande, mais graines et comme des miettes qui tombent peuvent te donner la solution. Continue, continue. Tu as prié, reste longtemps comme Anne. C'est ça la conquête, la bataille. Tu as prié, Bible dit, reste longtemps. Elle prie encore, elle prie longtemps. Comme Élie, tu as vu une main, nuage, il n'y a pas. Prie encore, prie encore, prie encore. Le nuage. Et tu vas demander à Acab de précipiter le char et la pluie tombera. Il y a des gens qui me comprennent. Tu es comme Élisée, avec Élie. Attends, attends, attends. Le manteau tombera. Travaille, 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 travaille. Conquête, conquête, conquête. J'aurais bien voulu qu'il y ait un écran ici, qu'on nous mette les images des gladiateurs. On projette ici les gladiateurs. Quand ils font pas, moi aussi je fais pas. Tout ça pourquoi? Pour que tu te réveilles. Car n'est pas progresser ou bien diminuer, ce n'est pas ton lot parce que ça amène la honte. Ça amène la honte. Emparons-nous du pays. Va en guerre. Levez-vous, passez le torrent car je vais vous livrer le roi et commencer la conquête. Une grande porte et un accès efficace me sont ouverts, c'est vrai, mais les adversaires sont nombreux. Il n'y a pas de problème. Refuse d'abdiquer. Tu as un territoire. Tu as un lieu où tu dois te multiplier. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu es animé d'un autre esprit, acclame Dieu. Nous allons nous lever. Dis au Seigneur que cette parole soit pour moi. Nous allons nous lever comme des conquérants à Molimo. Je ne sais pas quel territoire te semble inaccessible. Je ne sais pas ce qui te rend. Tu as l'impression que c'est inaccessible pour toi. Tu as l'impression que c'est inaccessible. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur pour accéder. Les fils d'Anak sont là. Les géants sont là. La ville est entourée des murs qui sont forts. Mais j'ai besoin de toi. Oh, quelqu'un peut prier. Kakarabashata. Amen à l'existence par la prière. Rema rema reba shaka. Rekakaka rakata rakata. Prions, prions bien-aimés. N'attends pas la chanson. N'attends pas la chanson. Hey, hey. Ah. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Oh, il y a des gens qui sont encore assis. Il y a des gens encore qui ne prient pas. Oh, quand Moïse et ses autres compagnons pouvaient lever les mains, ils étaient victorieux. Le mur de Jéricho est tombé par un mystère de la puissance de Dieu. Oh, demande à Dieu d'élargir tes limites. Demande à Dieu l'élargissement.
Demande à Dieu l'accès. L'accès à la multiplication. Demande à Dieu l'accès à la multiplication. Demande à Dieu l'accès dans ce domaine-là. Demande à Dieu l'accès dans ce domaine qui te fait pleurer. Ah, il y a quelqu'un qui prie comme un dimanche. Il y a quelqu'un qui se sent bien en dimanche là. Oh, ramaseta. Et rabashata, rabasata. Oh ramaka rabasata rabashata, erabaka rababarabasata rabashata. Oh, il peut frayer un chemin, il peut frayer un chemin là où il y en a pas. Il peut frayer un chemin là où il y en a pas. Il peut frayer, il fraye un chemin, c'est vrai. Il fraye un chemin, c'est vrai. Oh ramasata rabashata. Oh, rien n'est impossible à toi, rien n'est possible à toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Erabasata rabashata, erabaka rabasata, oramakaka rabakakakakakakaka, erabasata rabashata, erekekekereberesata rabashata, orakakakakaka rabasata, erakarabaka rabababa, orabababababasata, erabasata. Prie pour ta maison, prie pour ton travail, prie pour ton épouse, prie pour ton épouse, prie pour ton épouse, prie pour tes affaires, prie pour ce deal. Arakakakarabasata, oramashata rabakata rabasheta, erakata rabasheta rabakata. Si la mer se... J'étais en train de voir en priant, s'il y a des familles qui sont ici, vous allez vous grouper. On va prier pour les familles. Vous avez l'impression de vivre des limitations, vous avez l'impression et vous voulez que Dieu agisse dans quelque chose. Vous allez vous grouper en famille, c'est une grâce que vous avez. Si ce n'est pas le cas, tu vas prier pour ta famille. Je nous voyais groupés, je nous voyais groupés. Les épouses qui sont quelque part, les enfants, je ne sais pas. Ça se passe dans vos familles, ça vous passe dans vos maisons. Ça se passe dans les familles, ça se passe dans les maisons. Ça se passe dans les familles, ça se passe dans les maisons. Ça se passe dans les familles, ça se passe dans les maisons. Si vous n'êtes pas accompagné, tu vas prier pour ta maison. Si tu es marié, pour ta maison. Si tu es père, pour ta maison. Orasha ramakata rabashata. Rekarabashata. Groupez-vous s'il vous plaît, en famille, s'il vous plaît, faites-le. Ramashata, je me vois, je vous voyais grouper, grouper, grouper. Chaka, si t'es un homme, prie pour ta femme. Si c'est l'homme, prie pour ton mari. Si c'est un père, prie pour tes enfants. Shekarabakakakarabakakarabashata. Rekakarabasata rabashata. Demandez au Seigneur d'ôter les limites. Demandez au Seigneur d'amener l'épanouissement. Demandez au Seigneur d'amener l'émergence. Il y a des choses qui troublent les familles. J'étais en train de voir comme des familles troublées. Priez, 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 priez. Et ramamamarasata. C'est comme des cycles continus. C'est comme des cycles continus. Et rabababarasata rabashata. Et rabababarasata. Bénis ta maison. Bénissez vos projets. Arakarabasata. Bénis les entrailles de ta femme. Si tu es fiancé, bénissez vos projets. Orababarasata. Akakakarababasata. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Eh rabasata. Mon pépé Sika Ekota. Mon pépé Sika Ekota. Mon pépé Sika Ekota. Arararararasata. Mon pépé. Mon pépé Sika. Mon pépé Sika. Eh rabasata, rabasata, rabashata. Erakarabasata. Oh, pense à ton père. Pense à ta femme. Pense à ton frère. Pense à tes entreprises. Je veux me multiplier. Oramasata. C'est comme des géants. 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 Erabarakata. Erabashata. 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 Erabababasata. Erabababasata. Erabashata. 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 Erabashata.
ora machata, ora mama 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 masata, rababasata rabashata, ora basata, ora basata. Oh Marie bénit ta maison, Marie bénit tes enfants, rababasata, ora babarasata rabashata, ora babasata. Nous allons maintenant prendre autorité. Nous allons chasser, déraciner les obstacles, les forteresses au nom de Jésus. Arakata, Ots, chassez. Bibaka, Reshaka. Sous-titrage Société Radio-Canada.